vous explique. Je fais fancy queen là avec mon petit ma petite soie là, mon petit pyjama en soie là. On dirait pas que je vais faire une routine Vogue. J'aime trop. Aujourd'hui une vidéo 24 heures dans ma vie, sans filtre, puisque vous kiffez ce format. Et j'ai décidé de ne pas l'abandonner, parce que moi vous connaissez, je suis la reine de l'abandon. Hein. Abandonner et aime abandonner aussi. Je sais pas, c'est pas drôle. C'est triste. C'est une journée très spéciale, donc ça va être un 24 heures très spécial puisque c'est l'anniversaire de Raph et là il est en train de dormir. Je peux pas trop parler fort parce que sinon je vais le réveiller. Déjà que j'ai pas de cadeau d'anniversaire, le réveiller ça risque d'être très compliqué pour moi et pour le reste de notre couple. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui on va acheter un cadeau pour Raph. On va faire des choses simples les gars, il n'y a pas de paillettes dans les yeux, vous-même vous savez. Je suis là pour vous offrir du vrai, de la vraie vie. En tout cas là il est actuellement, je vais vous mentir, je sais je vais vous mentir parce que j'ai honte, je me suis réveillée tard. Il est 9h16. Non je rigole, il est 10h16, je me suis réveillée à 9h30, j'ai trop le seum. On va partir sur un petit déj. On va partir sur de la découpe ASMR comme vous aimez qui fait frétiller vos tympans. Hier j'ai fait des courses, j'ai acheté plein de fruits. Pourquoi ma voix s'est mise en mode grave d'un coup là? Donc je vais me faire pomme nectarine. J'ai du melon, de l'avocat, de la pomme, de la banane, du kiwi. Vous savez quoi? Dans la vie moi ce qui me rend heureuse c'est quand mon frigo il est rempli. Le reste je m'en tartine le coquillage. Alors ça, je peux vous dire. Les gars, quand votre frigo il est rempli, c'est ça la vie en fait. Ah, Hamdoulay. Hier, j'ai acheté un jus de mangue, mangue passion bio. J'avoue, il coûte la peau du cul. Vous savez que j'ai eu quand même le jugement d'une caissière. La caissière, quand elle a passé l'article, elle fait « Ah oui, quand même, 6 balles le litre, j'espère que c'est bon, hein. » J'ai pas compris. Les citrons jaunes, c'est plus simple. Ah, et je sais que vous êtes en train de vous dire, à la fin, elle est partie en cacahuète avec ses céréales et son lait. Ouais, je suis un bébé. J'assume d'être un bébé. Mais bon, si on se fait pas plaisir dans la vie, on s'en sort pas. Le loulou. La nectarine est super bonne. Joyeux anniversaire. Putain, un goût amer. Pourquoi? Parce que t'as 29 ans? Oui. Les gars, j'ai fait une story pour genre en gros souhaiter un joyeux anniversaire à Raph. Et en fait, on était en direct. Mais c'était trop marrant quoi. Heureusement, on faisait pas des trucs bizarres. Il n'y a plus rien. Heureusement que j'étais pas à poil. Hein. Alors, heureusement que j'avais pas le sexe à l'air. Je vais être en visio avec mon agent. Coucou Ena! Hé, je t'entends pas! Je t'entends pas du tout! T'es en mode Charlie Chaplin! Hola! Hola, qué tal? Qué tal, pas muy bien!
Il m'arrive des trucs mais rocambolesques. Des galères. Vendredi 4h du matin, je te raconte même. Ouais, j'ai pas vu la vidéo. Le lien il marche pas. Il est expiré ? Ouais, le lien est expiré. C'est qui ? C'est Garance, c'est Sonia. Ah, c'est trop mignon. Bon, c'est bon, j'ai fini mon call avec Ena. Du coup, ça va partir en douche. Il fait moche, donc j'ai grave envie de prendre une douche chaude, hot. Caliente. Dis-moi aussi, qu'est-ce que tu veux comme gâteau d'anniversaire? Moi, je voulais faire un gâteau. Je veux un gâteau en Audi RSQ3, vas-y, frère. Avec cool. Des rousses et des Oreos. Tu vois ou pas ce que je veux? Ah, feu! T'es chiant. Je te fais quoi comme gâteau? Je sais pas. J'aime pas les gâteaux, moi. Je veux une pizza d'anniversaire. Bah, je te fais une pizza d'anniversaire. Non, je sais pas les faire. J'ai pas trop envie de gâteau. Bon, c'est ton anniversaire, toi qui décides. T'as envie de quoi? Je sais pas. Fais-toi ce que t'as envie, ce que tu sais faire. C'est ma phobie, les gens qui disent je sais pas, c'est ma phobie. Ouais, moi, c'est ma phobie, les gens qui disent c'est ma phobie, genre. Je suis sortie de la douche, fallait absolument que je me filme en train de me maquiller parce que j'ai fait une découverte, les gars. Depuis toujours, j'utilisais un fond de teint rosé. Et en fait, c'était pendant le shooting de la palette 1988 avec Martine Cosmetics, du coup, que la maquilleuse me met un teint, enfin une teinte un peu plus jaune. T'as Gaëlle qui me dit, mais meuf... Enfin, tu sais que ta peau elle est pas rosée, genre il faut vraiment que tu utilises un fond de teint sur les tons jaunes parce que ça se voit quoi. Parce que j'ai des rougeurs, et ben du coup je me disais j'ai des rougeurs donc forcément mon teint il est un peu rosé. Et ben non ma petite dame. Depuis que j'utilise un fond de teint un petit peu plus jaune, j'ai un teint les gars. Mashallah, vous allez voir comment je vais être fraîche juste après. Dites-moi si vous voulez une vidéo un peu routine, quels produits j'utilise pour ma peau. Il y a plein de vidéos, vous savez, que j'ose pas faire parce que j'ai l'impression que ça va pas vous intéresser. Bon, on se revoit à la fin de mon make-up, vous-même vous savez. Tous d'accord pour dire que mon teint c'est un truc de fou là. Dites-moi en commentaire, ça se trouve ça vous plaît pas du tout. Écoutez, j'adore, je valide, je survalide, on y va. J'ai complètement oublié de vous dire. Aujourd'hui, je dois faire aussi des achats chez Sephora. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un DM de la youtubeuse Virginia. Je sais pas si vous connaissez, elle est super drôle. Il faut pas me prendre pour une conne, bien sûr. Il s'est pas marqué ici connasse, bien sûr. Même si je parais connasse, je ne suis pas une connasse. Et elle m'a dit, Chéra, est-ce que tu peux me dire c'est quoi ta routine du matin, tout ça Comme ça, je la reproduis, quoi. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, je te fais un colis, genre. Et en fait, je vais lui faire un colis avec tous les produits que j'utilise dans ma routine pour qu'elle puisse faire une vidéo. Et je suis trop contente de lui offrir ça parce que, genre, vraiment, elle me fait trop rire dans ses vidéos. Genre, vraiment, c'est un truc de ouf. J'allais oublier ma caméra tellement je suis pas habituée à vlogger dehors, mort de rire. On est actuellement au bois de Boulogne. C'est ça, ma surprise. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gros trous au bois de Boulogne. Elle filme pas, il y a une dame là-bas. Je suis vraiment en reportage à enquête exclusive. Mais wesh, elle est cul par contre. Oh là là, c'est glauque. Grave. Attendez pas à avoir autant de monde dehors. Et comme dernièrement, j'ai l'impression que Raph il m'a contaminée de son anxiété sociale et que je suis restée longtemps enfermée chez moi, tout ça. Je vous jure, quand il y a du monde, j'angoisse. Genre là, littéralement, ça m'angoisse de ouf. Je suis trop angoissée là. Pourtant, c'est grand les Champs-Élysées, vous voyez, mais ça m'angoisse. On est vraiment en mode Pretty Woman là. Pretty Rafa, c'est ton anniversaire. Pretty Rafa. On va aller dans quelle boutique? Tu vas voir Saint-Laurent? Si, vas-y. Tu as décidé de taper fort, quoi. C'est toi qui es rentré dedans. J'avoue. Par contre, je suis archi fan. Moi, je suis passé devant, tu m'as dit, ah tiens, viens voir Saint-Laurent. Je suis archi fan de mon look. Je sais pas si vous kiffez. Moi, j'adore. Mon jean vient de Friperie. C'est des Doc Martens. Ça, c'est un t-shirt œuf Kill Bill. Et derrière, il y a toute la liste des gens qui lui l'a tué. Il est trop stylé mon t-shirt, j'aime trop. Ah bon ? Ouais. Regarde ! Ma première sacoche, je vous mettrai la photo juste là, parce que bon, je voulais pas filmer devant les vendeurs et tout, j'aime pas trop. Et ben, elle est super belle !
Donc du coup là on se dirige vers un autre magasin pour voir la sacoche qu'avait vu Raph direct. Gucci, Versace. Bah monte le sac. Fume le pied. Joyeux anniversaire Vivo. T'es content? Ouais. On vous a pas montré d'autres choix? Parce que vraiment, elle a fait l'unanimité. Ouais, on a fait d'autres. On a fait d'autres boutiques, franchement c'était chiant. Mais voilà quoi, l'homme est content. Non, je disais qu'en gros, je suis content d'être allé avec toi parce que j'aurais été tout seul. Là, j'aurais pris... pas choisi. T'aurais pris un truc qui te. Ouais, j'aurais pris un truc pour prendre un truc, même s'il m'aurait pas plu à 100%, tu vois ce que je veux dire? C'est dingue ça. Alors que là, celle-là, je la voulais dès qu'on l'a vue. Mais je me suis quand même dit, bah tu sais quoi, on va voir ailleurs pour voir s'il y a pas mieux au cas où. Mais franchement, il y avait était, pas mieux au cas franchement, où. Parce que ça, tu peux le porter avec genre un truc classe, tu peux le porter avec un truc, un habit street. Ouais. Tu vois, alors que pas le la nylon. Salle avec non plus, mais... Bah non, mais alors que le nylon, tu vois, ou les autres matières, c'est pas classe, c'est tu vrai. Vois. Genre, elle est vraiment magnifique. Genre, même moi, je peux te l'emprunter. Calme-toi. Bah, je sais pas, tu voulais aller manger quelque part. Tu veux prendre un Five Guys? Ou la flemme un peu. Bah, il y a trop de monde à Five Guys, non? Ouais. Ou kebab. Tu veux un kebab? Tu veux qu'on aille dans le 17? Ou alors. Moi, c'est Sephora, hein. Mais il faut qu'on achète un gâteau. Ou alors, vraiment, je le fais le gâteau. Non, tu le fais. Et ben alors, depuis hier, je te dis, tu veux quoi ça comme va, gâteau? Ça va, on peut passer à. Je sais pas, faire un vieux truc. Mais non, je vais pas te faire un gâteau au yaourt. Quel boss. Tu veux quoi comme gâteau? Je sais pas. Par contre, là, c'était bourré à mort. Ou alors, viens, on passe devant le Five Guys, on voit s'il y a du monde. Ça te parle un Five Guys? Bah, pourquoi pas. Bah, vas-y alors. Vas-y. Bon, on passe devant, juste, on passe devant, quoi. Si on voit qu'il y a trop de monde, c'est mort. À la limite, je préfère même qu'on rentre. Oh, il y a deux meufs bourrées, tu vas les écraser. Chut, t'entends d'où est-ce? Ah ouais, j'avoue. Mais elles sont trop bourrées pour m'entendre. Attends, vous allez où là? Oh, je crois que tu vas où toi? Hé, hey, abonne-toi et like la vidéo. Une des raisons pour lesquelles il ne faut jamais habiter à Paris. 1. Le loyer est extrêmement cher. 2. Il n'y a jamais de place pour se garer. 3. Il y a trop de monde. 4. Les Parisiens. Je sors du Sephora, je peux vous dire que j'ai dévalisé le Sephora. Sephora. Et on était en train de dire, Raph, il était né quel jour? Enfin, il est né le 17 août 1992. Certes, mais quel jour de la semaine? Et moi, je lui disais, je suis sûr que je suis né un. Je le sais pas, hein, vraiment, je sais même pas à quelle heure je suis né. Hein. Mais je suis sûr que je suis né un lundi matin. Et il est né un lundi matin. Parce qu'on a vérifié, on a vérifié sur Google, du coup on a tapé 17 août 1992 jour. Et en effet, moi je suis née un mercredi, jour des enfants. Ça veut tout dire sur les personnes, je pense, le jour où ils sont nés. Ouais, c'est vrai. Genre si t'es né un samedi ou un dimanche, ça veut dire que t'es un gros branleur. Genre ceux qui sont nés un jeudi, ils sont généreux, paraît-il. Tu nais, moi je suis comme à une réunion commerciale, toujours le lundi matin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, toi c'est le moi, je suis carré, je suis entreprenant. Quand je vais rentrer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Virginia. Alors nous sommes rentrés, nous sommes passés chez Picard. Donc comme je suis archi fan des retours de course, je voulais grave vous en faire. Donc déjà on a parti prendre 4 baguettes tradies, pas trop cuites of course. On s'est pris, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, je suis très fan de bœuf fromage. On s'est pris 6 brochettes bœuf fromage de chez Picard qui je trouve sont hyper bonnes. Elles sont pas aussi bonnes qu'au resto, mais bon, je me vois mal commander juste des brochettes en fait. Donc de temps en temps, je me dis c'est pas mal du tout. Ensuite, je vous dis, c'est un anniversaire simple. Il y a pas de, on n'a même pas de gâteau. On n'a pas de gâteau, c'est la misère. Des galettes de pommes de terre de chez Picard qui sont délicieuses. Ça va être pour nos petits sandwichs. On adore faire des sandwichs avec steak haché, galettes de pommes de terre, fromage, délicieux. Qui dit nos petits sandwichs dit les petits bifteks hachés bio chez Picard qui sont incroyables aussi. Raph en a profité pour prendre des petites glaces façon Magnum. Il en a aussi profité pour prendre 2 pizzas calzone jambon mozzarella. Pour lui, moi je mange pas de jambon. Et notre dernière découverte, c'est des frites au romarin. Les gars, c'est tellement bon! My god! Moi, je me suis pris un gratin dauphinois parce que je suis archi fan de gratin dauphinois et celui de chez Picard, il est trop bon et trop pratique. Raph a pris
Di Pao de Queijo. Queijo. S'il y a des Portugais qui me regardent, je sais pas si je dis bien. Et c'est un petit pain au tapioca et au fromage. Il m'a dit que c'était super bon, donc on va tester ça. Bon, on va faire nos petits sandwichs. Il est quelle heure? Il est 17h et quelques. On n'a même pas mangé, on va faire nos sandwichs. Non, mais c'est n'importe quoi, cet anniversaire. C'est n'importe quoi. Alors là, je me suis mis direct en pige. Puis je vais vous dire qu'on est rentré pile poil pour 4 mariages pour une lune de miel. Alors là, je suis heureuse. Alors Raph, on est en unboxing, c'est ça? On est sur une ouverture de cadeau là. Trop bien. Ah. Et ouais, ça c'est le cadeau que je me suis payé. C'est ton cadeau pour de toi à toi. Non, pas sur le canapé. Tu montes quand en premier? Tu montes ce que tu veux, Bibou, c'est ton anniversaire. Non, c'est ça, c'est mon petit cadeau à moi. Il y a un Popeye. Mais doucement avec tes affaires. Il s'est acheté une petite paire de lunettes absolument dingue. Magnifique. Ah, oh, la sacoche Saint Laurent. Tu valides, mon chien? T'es contente aussi? Hein, t'aimes bien? Oui, mon bébé. Elle est super jolie. J'avais envie d'une belle sacoche que j'ai. Bah ouais, c'est clair. J'étais comme le clochard du coin. Dans mes poches comme ça, là. Il aime bien être le clochard du coin. Non, il aime bien être le clochard du coin. Oh là là, hé. J'ai fait un truc ça. Si c'est pas mieux, il y a le steak, il y a le skate, et le skate, il y a le steak en dessous. Ça, si c'est pas mieux que Five Guys, les gars. Oh là là. Eh, hey, les gars, on a fini de manger les sandwichs. Il est 20h, je vous jure, on a envie d'aller au lit. Même Popeye, il a envie d'aller au lit. Eh, hey, on est claqué. Eh, hey, vraiment, il nous a mis KO. T'as mis des somnifères dans le sandwich? Ouais. C'est quoi cet anniversaire là? Hein, Raph? Sinon, regarde le film là, Zodiac, on voulait le regarder. On s'est mis un film, on s'est mis Zodiac. Mais elle, je sens qu'elle a ramené quelqu'un pour le tuer, genre. C'est sûr. Cette voiture était une mystérette. Mais Raph? Oh my god. Alors, on n'est pas sur une lumière de fou, hein. Bon, les gars, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté chez Sephora pour Virginia, la youtubeuse. Je vais acheter plein de trucs, je vais vraiment pas tout vous montrer parce que vraiment tout. Et en même temps je vais compléter avec des trucs que j'ai à la maison qui sont neufs et que j'ai en double. Comme ça du coup elle va vraiment être gâtée. Je lui ai pris du coup ma crème préférée, la Brazilian Bum Bum Cream de chez Sol de Janeiro, qui sent divinement bon. Je lui ai pris ma mousse démaquillante préférée de la marque Filorga, elle va se régaler, c'est vraiment un pur délice pour le visage. Ça démaquille super bien parce que je déteste me démaquiller. Et en plus c'est à base d'acide hyaluronique. Bref, celui-là je l'ai vraiment en double chez moi et voire en triple. Donc c'est vraiment genre mon nettoyant visage préféré. J'ai pris une petite crème de chez Clarins. C'est pas celle que j'utilise en ce moment, mais c'est une crème que j'adore en fait, parce que j'aime bien alterner les crèmes hydratantes que j'utilise. J'utilise jamais la même tout le temps. En ce moment j'utilise celle de la marque Rennes. Là je me suis dit tiens, je vais lui envoyer l'hydra essentiel de chez Clarins, qui est juste incroyable. Bref, je lui ai pris vraiment plein de trucs et je vais continuer le colis. Alors, on est le 18 août. T'as quel âge du coup là? 26, je crois. 25, je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais. T'as 29? Ouais. Comment tu te sens? Vieux. On n'a pas fait le gâteau. Au final, le film d'hier, on l'a même pas terminé. On est parti. Endormi. S'endormir comme des vieux à 23h. Ouais, c'est ça. D'habitude, quand on voit des vlogs anniversaires dans les chaînes des gens, ils font des trucs de fous. Ah ouais? C'est pas chez lui, mais. Franchement, moi j'ai fait une sieste avant de dormir, tu savais? T'as fait une sieste avant de dormir? Ouais. C'était ton entrée, genre. Bon, bah les gars, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog avec nous, de 24 heures avec nous pour l'anniversaire de Raph. Moi perso, j'ai passé grave un bon anniversaire. Moi c'était cool, moi j'ai adoré mes cadeaux. Ton cadeau et mon cadeau. Ouais, c'est vrai que c'était cool. J'ai kiffé. Attends, c'est quoi ça? T'entends pas? Y'a quelque chose qui arrive là. Ça serait pas le bouton abonnez-vous? Tu sais le faire? Bon, en tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la chaîne et si vous voulez la soutenir. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé passer un petit moment avec nous. Et n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Raph, parce que Raph a enfin sa chaîne YouTube et il y a une nouvelle vidéo sur sa chaîne, ouais, qui est sortie. Donc si vous voulez doubler le plaisir, hein, ouais, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Et on s'est bien amusé aussi sur, ouais, sur ma chaîne. On est parti à Costco, c'était assez drôle. Sur ce, comme d'hab, on vous aime fort et on vous fait de gros bisous. Bisous!